Charles, je suis le Lulmani, ici Chiang Mai, le sous-directeur de Théâtre Poupée Lao. Sebadi, je m'appelle Tan Nak Khon, ici Chiang Mai, et je suis directeur de la troupe de Khao Niao, et là c'est mon père. Marionnettes, c'est nouveau. Dans la hausse. On va chercher tous les objets qu'il a laissés par terre. On l'aime beaucoup avec des objets, parce que les objets qu'il laisse, il est mort. Nous, on l'aime bien de donner la vie. Après avoir vu et participé à des représentations de marionnettes en France, je suis allé jouer un spectacle français dans des villages ethniques au Laos. Malgré le fait que les dialogues étaient en français, les gens ont beaucoup aimé et j'ai alors pu prendre conscience de tout l'intérêt de ces spectacles de marionnettes. Ils aimaient énormément le show, et alors j'ai compris ce qui était vraiment spécial en ce spectacle. Toutes les différentes ethnies où nous avons joué ne comprenaient pas la langue, mais elles parvenaient à suivre la représentation car elles utilisaient beaucoup les gestes, les mouvements, les rythmes, des qualités qui n'ont rien à voir avec le langage parlé. Par la suite, j'ai créé des spectacles de ce type parce qu'on n'a pas du tout besoin d'utiliser la parole. Il est possible de jouer partout, dans toutes les ethnies, devant des étrangers, et tout le monde comprend. C'est ça qui me plaît, ça qui me motive. J'écris mes histoires en me basant sur la littérature, les contes et les légendes du Laos et surtout celles des ethnies. Nous avons beaucoup d'ethnies au Laos. Mes histoires ont pour but de sauvegarder et de transmettre les anciennes traditions. Je me suis focalisé sur ce thème, sur les rites des ethnies, en me basant sur leur vie quotidienne, leur culture, leurs différentes fêtes. Grâce à ces histoires, on peut sensibiliser les jeunes générations pour qu'ils s'intéressent aux anciennes traditions et à la culture du Laos. Quand j'étais jeune, je suis allé voir un spectacle de mon père au centre culturel. Quand je l'ai vu, je n'ai pas aimé. C'était un spectacle comique et les autres spectateurs pensaient que mon père était un peu dérangé. Un peu fou. Et donc à partir de ce moment, j'ai pas aimé le travail de mon père. Bien après, mon père a organisé un atelier de travail sur ses performances et m'a proposé d'y participer. C'était un atelier de 3 semaines. Et là, j'ai commencé à apprécier, parce que c'était drôle, on s'exprimait par des gestes, des mouvements, du mime. On ne parlait pas, mais les gens nous comprenaient. Chacune de nos actions faisait comprendre le public. Et depuis cet atelier, j'aime le travail de mon père. Avant, je ne savais pas comment écrire des histoires pour les spectacles. Puis j'ai participé à un atelier pour artistes organisé par une organisation internationale. Les participants venaient du Cambodge, de Thaïlande, du Vietnam et de la Birmanie. Chaque pays représenté devait apporter ses connaissances en matière de création d'histoire. Pour représenter le Laos, nous avons emmené des marionnettes et nous avons décidé de parler du trafic humain. Car dans notre pays, beaucoup de gens émigrent pour trouver de l'argent et rencontrent des problèmes, surtout les femmes. J'ai participé à l'aide aux victimes du trafic humain et j'ai collecté des informations et des documents sur cette problématique. À partir de ces données, nous créons des histoires et nous les montrons dans les villages, notamment ceux où beaucoup de gens s'expatrient.
pour les informer sur ce qu'ils devraient savoir avant de quitter leur village, les problèmes auxquels ils devront faire face, comment les surmonter, et les documents légaux qu'ils doivent impérativement emmener avec eux. À cause de l'orage, ils vont tomber dans l'eau, ils vont devoir essayer de nager, peut-être pour rattraper le petit tonneau. J'ai rencontré To, une Samaï, il y a maintenant 3 ans, lorsque je suis arrivé au Laos et que l'on a commencé à travailler avec le Cirque National du Laos. To est issu de la famille du cirque. Il a développé depuis 10 ans toute une approche sur le théâtre d'objets. Et donc on a monté ensemble pour l'instant 3 pièces sur une thématique plaidoyer humain, donc contre l'esclavagisme sexuel et le trafic d'enfants. Cette thématique est particulièrement prégnante, on va dire, en Asie du Sud-Est, plus connue en Thaïlande qu'au Laos, même si on estime qu'une grande partie de ces victimes exploitées sexuellement en Thaïlande viennent du Laos, principalement de zones de montagne, de zones rurales, dans lesquelles les jeunes filles sont achetées, sont déplacées clandestinement et placées ensuite dans des établissements de loisirs ou de plaisir tout au long de la côte thaïlandaise. Le travail du père de To est plutôt centré sur une relation plus traditionnelle avec le public, quelque chose qui est plus proche du cabaret et d'une relation in situ, pourrait-on dire, tandis que To est complètement ouvert et à des thématiques sociétales et à des publics différents et puis à des lieux complètement insolites comme ce soir pour l'Opéra de Paris.